Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ich segne den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Et je vous salue tous dans le nom si précieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Und ich grüße euch alle im wundervollen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Comment ne pas l'adorer? Wie können wir ihn nicht anbeten? Alléluia. Comment ne pas élever le nom de notre Seigneur? Wie können wir den Namen unseres Herrn nicht erheben? Quand nous écoutons des témoignages pareils, wenn wir solche Zeugnisse hören, et cela aussi nous donne un fondement, des bases pour la prédication de cet après-midi. Und auch das gibt uns ein gewisses Fundament für die heutige Predigt. Je bénis Dieu pour la vie de mon père spirituel. Ich segne Gott für das Leben von meinem geistlichen Vater. Lui qui m'a fait un message à 5h et quelques, je pense. Er, der mir heute um 5 Uhr morgens eine Nachricht geschickt hat. Je me suis réveillé. Ich bin aufgewacht. Parce que je travaillais, je me suis réveillé à 6h. Denn ich musste arbeiten, dann musste ich um 6 Uhr aufstehen. J'ai écouté le message avec un cœur qui battait. Ich habe die Nachricht gehört mit einem Herz, das schon geklopft hat. J'ai dit ok. Und ich dachte ok. Et je l'ai répondu avec une voix de quelqu'un qui venait à peine de se réveiller. Amen. Ich habe ihm geantwortet mit einer Stimme von jemandem, die gerade aufgewacht ist. Mais c'est une grâce, un privilège pour moi de me tenir devant vous. Aber es ist eine Gnade und ein Privileg, vor euch zu stehen. Laissons-nous ensemble prier. Lasst uns gemeinsam beten. Recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Und diese Momente in Gottes Hände übergeben. Que Dieu nous parle. Beten, dass Gott zu uns spricht. Que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à comprendre ce que nous allons partager cet après-midi. Dass du den Heiligen Geist bittet, dass er dir hilft, zu verstehen, was wir heute Nachmittag teilen möchten. Que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence. Dass der Heilige Geist dein Verständnis öffnet. Que tu n'écoutes pas seulement avec tes oreilles physiques. Dass du nicht nur mit deinen physischen Ohren hörst, mais que tu écoutes avec les oreilles spirituelles. Aber dass du mit den geistlichen Ohren hörst. Et qu'au travers de cette parole, und dass durch dieses Wort, que nous soyons changés, transformés. Dass wir verändert werden. Nous prions. Wir beten. Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir danken dir. Nul n'est comparable à toi. Niemand ist mit dir vergleichbar. Toi qui nous appelles. Du, der uns rufst. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous êtes chargés, je vous donnerai du repos. Du sagst, kommt zu mir, ihr alle, die müde und belastet seid, ich werde euch Ruhe geben. Seigneur, merci parce que tu nous accordes le repos. Herr, danke, denn du schenkst uns Ruhe. Nous venons encore une fois nous recommander en tes mains. Und Herr, wir kommen und übergeben uns in deine Hände. Yahweh, parle-nous cet après-midi. Yahweh, sprich zu uns heute Nachmittag. Laisse au travers du Saint-Esprit que tu nous aides à être attentifs. Lass, dass du uns durch den Heiligen Geist hilfst, aufmerksam zu sein. Laisse au travers du Saint-Esprit que tu puisses élever notre esprit. Mögest du durch den Heiligen Geist unseren Geist erheben. Oh Yahweh, que nous puissions comprendre la profondeur de tes écritures. Yahweh, dass wir die Tiefe deiner Worte, deiner Schriften verstehen. Et laisse que la présence du Tout-Puissant. Und erlaube, dass die Gegenwart des Allmächtigen puisse régner en ce lieu. Seigneur, merci pour le signe que tu nous as donné cet après-midi. Ja, danke für das Zeichen, das du uns heute Nachmittag gegeben hast. Nous te sommes reconnaissants pour ce signe. Wir sind dir dankbar für dieses Zeichen. Ce message est un signe pour nous. Diese Botschaft ist ein Zeichen für uns. Et bien, nous prions que tu puisses accomplir ce que tu as prévu de faire cet après-midi. Und Herr, wir beten, dass du das erfüllst, was du gesagt hast heute Nachmittag. Et dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Im wundervollen und mächtigen Namen Jesu Christi haben wir gebetet. Et nous disons tous Amen. Wir sagen alle Amen. Alléluia. Sommes-nous là? Sind wir da? Est-ce que nous sommes dans la joie? Si nous sommes dans la joie, on peut une fois acclamer pour le Saint-Esprit. Nous voulons acclamer encore royalement pour le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons tous nous mettre debout. Wir wollen gemeinsam aufstehen und in der Bibel lesen. Nous allons faire trois lectures rapidement. Wir werden drei Texte lesen. Premièrement, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Zuerst lesen wir in Matthäus. Matthieu 2, 1 à 15. Matthäus Kapitel 2, 1 bis 15. Et à la suite, nous lirons Genèse 1, 14 à 19. Und danach lesen wir im 1. Mose 1, 14 bis 19. Et pour terminer, nous allons lire 1 Samuel 10, 1 à 7. Und dann lesen wir im 1. Samuel 10, Vers 1 bis 7. Amen. Si nous avons trouvé, quelqu'un va nous aider à faire la lecture. Rigobert. Jésus, en nom de Jésus, nous sommes partagés de Dieu, le verset 1.
lisons Genèse 1, 14 à 19. Wir lesen im ersten Buch Mose Kapitel 1. Genèse 1, 14 à 19. Nous allons tous nous asseoir. Wir werden Platz nehmen. Merci beaucoup, mon frère, pour cette lecture. Vielen Dank, mon Bruder, für diese Lesung. Oui, nous venons de passer deux jours de jeûne et prière. Wir haben gerade zwei Tage im Fasten und Gebet verbracht. Le Seigneur nous a bénis. Der Herr hat uns gesegnet. Dieu a accompli beaucoup de choses au milieu de nous. Gott hat viele Dinge getan in unserer Mitte. Dieu nous a même donné des signes. Gott hat uns sogar Zeichen gegeben. Dieu est en train de nous donner encore des signes. Gott ist noch dabei, uns Zeichen zu geben. Alléluia. Parce que nous allons comprendre une chose. Denn wir werden eine Sache verstehen. Dans notre quotidien, in unserem Alltag, nous sommes entourés des signes. Sind wir von Zeichen umgeben. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht jemand, dans notre quotidien, nous sommes entourés de signes. In unserem Alltag sind wir von Zeichen umgeben. Mais qu'est-ce que ces signes-là veulent nous dire? Aber was wollen diese Zeichen uns sagen? Qu'est-ce que ces signes, quel est le message que ces signes-là apportent? Welche Botschaft bringen diese Zeichen? Voici le thème de notre prédication, si on peut le dire, cet après-midi. Das ist das Thema von unserer Predigt heute Nachmittag. Sais-tu lire les signes de Dieu dans ta vie? Kannst du die Zeichen Gottes in deinem Leben deuten?
Alléluia. Il dit, lorsque ces signes seront réalisés pour toi, er sagt, wenn diese Zeichen sich für dich erfüllt haben, fais ce que tu trouveras à faire, dann tu, was du für richtig hältst, car Dieu est avec toi. Denn Gott wird mit dir sein. Amen. Lorsque ces signes vont arriver, wenn diese Zeichen eintreffen, fais ce que tu dois faire, dann tu das, was du für car richtig Dieu hältst, est avec toi. Denn Gott wird mit dir sein. Mais pour que tu fasses, tu puisses faire ce que tu dois faire, aber damit du das tun kannst, was du tun sollst, tu dois d'abord premièrement musst du zuerst voir les signes que tu avais donné. Die Zeichen, die Gott gegeben Alleluia. Hat, sehen. Tu dois comprendre ces signes. Du musst diese Zeichen verstehen. Tu dois reconnaître ces signes. Du musst diese Zeichen erkennen. Et là, tu pourras agir. Und dann kannst du erst handeln. Sais-tu lire les signes de Dieu dans ta vie? Kannst du die Zeichen Gottes in deinem Leben deuten? Dieu nous parle à longueur de journée. Gott spricht zu uns über den ganzen Tag. Dans notre quotidien, il y a beaucoup de signes. In unserem Alltag gibt es so viele Zeichen. Si nous regardons tous derrière, nous allons voir, il y a un signe derrière là. Wenn wir alle nach hinten schauen, dann werden wir sehen, es gibt ein Zeichen. Mais qu'est-ce que ce signe veut dire? Aber was bedeutet dieses Zeichen dahin? Pourquoi nous avons ce signe derrière? Warum haben wir diese Zeichen, dieses Zeichen hinten an der Wand? Alléluia. En cas d'incendie, falls es einen Brand gibt, ce signe nous indique, sagt uns dieses Zeichen, vous pouvez éteindre le feu, dass ihr das Feuer löschen könnt. Mais il y a l'inspecteur derrière ce comptoir-là. Und es gibt hinter diesem Tresen dort hinten ein Feuerlöscher. C'est ce que ce signe nous dit. Das ist das, was dieses Zeichen uns mais sagt. Si tu ne sais pas lire ce signe, aber wenn du dieses Zeichen nicht deuten kannst, si tu ne sais pas reconnaître ce signe, wenn du das Zeichen nicht erkennst, tu le verras, dann wirst du das sehen. Il y aura feu ici. Es wird vielleicht ein Feuer geben. Tu vas commencer à paniquer et crier. Und dann wirst du panisch werden und anfangen zu schreien. Alléluia. Mais alors que, obwohl, dans cette salle, es in diesem Saal, il y a un indice, il y a un signe. Ein Indiz gibt. C'est quoi le signe? Was ist das Zeichen? Quand nous parlons de signe, wenn wir von Zeichen sprechen, les Juifs ou bien les Hébreux disent, dann sagen die Hebräer oder die Juden, il y a au moins, je vais dire, quatre définitions, si on peut définir comme ça. Wenn man das so sagen kann, es gibt vier Definitionen dafür. Un signe peut désigner une marque ou un objet visible. Ein Zeichen kann ein sichtbares Objekt, un objet visible ayant pour rôle de communiquer un message clair. Und es hat die Aufgabe, eine klare Botschaft weiterzugeben. Nous voyons déjà la première définition. Wir sehen hier die erste Definition. Les signes, ein Zeichen, ça peut être quelque chose, kann etwas sein, mais qui a pour rôle de communiquer un message clair. Und es hat die Aufgabe, eine klare Botschaft weiterzugeben. Le signe peut nous rappeler ou garantir quelque chose. Das Zeichen kann uns an etwas erinnern oder etwas garantieren. Les signes peuvent être aussi les prophéties annoncées par les prophètes. Ein Zeichen kann auch eine Prophezeiung sein, die durch einen Prophet ausgesprochen wird. Les signes, das Zeichen, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Ist auch das Werk Gottes. C'est-à-dire l'attestation, la présence de Dieu. Das heißt die Bestätigung Gottes. Nous avons prié. Wir haben gebetet. Nous avons adoré. Wir haben angebetet. Dieu se manifeste au milieu de nous. Alléluia. Dieu a montré sa présence en donnant à une personne au milieu de nous un signe. Indem er einer Person hier in diesem Ort ein Zeichen gegeben hat. Alléluia. Pour nous montrer que je suis là, je suis présent. Dass ich da bin, ich bin gegenwärtig. Il dit, ma fille, regarde les signes. Er sagt, meine Tochter, schau das Zeichen. Regarde. Schau. J'ai fait cela pour vous. Ich habe das für euch getan. Savez-vous que Jésus est assis à la droite du Père? Wisst ihr, dass Jesus zur rechten Gottes sitzt? Jésus est dans les cieux. Jesus ist im Himmel. Il est parti dans les cieux avec le corps qu'il avait sur cette terre. Er ist mit dem Körper, den er hier auf der Erde hatte, in den Himmel aufgefahren. Posons-nous maintenant la question. Jetzt lasst uns einmal diese Frage stellen. Pourquoi est parti dans les cieux avec ce corps? Warum ist er mit diesem Körper in den Himmel gegangen? Alléluia. Pourquoi il est parti dans les cieux avec ce corps? Warum ist er mit diesem Körper in den Himmel aufgestiegen? Chaque fois que tu pèches, jedes Mal, wenn du sündigst, chaque fois que moi je pêche, jedes Mal, wenn ich sündige, qu'est-ce qu'il fait? Was macht er? Il montre au Père. Dann zeigt er dem Vater. Il regarde les signes. Er sagt, schau das Zeichen. Alléluia. Regarde les signes. Er sagt, schau die Zeichen an. Ce sont les signes pour eux. Das sind die Zeichen für sie. Quand Dieu veut frapper, wenn Gott strafen möchte, il regarde les signes. Dann sagt er, regarde, er schaut die Zeichen. Crucifié pour eux. Du wurdest gekreuzigt für sie. Il atteste par ses signes, durch diese Zeichen bestätigt Jesus, qu'il a été crucifié pour nous. Dass er für uns gekreuzigt wurde. Alléluia.
Sais-tu lire les signes de Dieu? Kannst du die Zeichen Gottes deuten? Au-delà que Dieu nous parle, abgesehen von der Tatsache, dass Gott zu uns spricht, j'ai dit, nous sommes entourés de beaucoup de signes. Habe ich gesagt, wir sind umgeben von vielen Zeichen. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, pourquoi nous avons ces signes? Aber haben wir uns schon mal die Frage gestellt, warum wir diese Zeichen haben? Certains vont parler des signes démoniaques. Einige werden vielleicht von dämonischen Zeichen sprechen. On va parler des signes zodiaques. Man wird von Sternzeichen sprechen. Alléluia. Mm-hmm. Ce sont des signes qui nous entourent. Das sind alles Zeichen, die uns umgeben. On va parler de langage des signes. Man wird sprechen von der Zeichensprache. Mais pourquoi nous avons tous ces signes-là? Aber warum haben wir all diese Zeichen? Pourquoi avons-nous tous ces signes? Weshalb haben wir all diese Zeichen? La Bible nous dit, die Bibel sagt uns, à l'époque du règne du roi Hérode, zu der Zeit, wo der König Herodes regiert hat, il connaissait que Jésus-Christ devait naître. Da wusste er, dass Jesus Christus auf die Welt kommen sollte. Parce qu'on avait parlé de sa naissance. Denn man hatte von seiner Geburt gesprochen. Mais le roi Hérode ne savait pas. Aber der König Herodes wusste nicht. Où et à quel moment il va naître. Wo und zu welchem Zeitpunkt Jesus zur Welt kommen würde. Il dit, Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Es steht geschrieben, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ils ont dit, ils ont vu son étoile. Sie haben gesagt, sie haben seinen Stern gesehen. Alléluia. Ils viennent pour adorer un roi. Sie kommen, um einen König anzubeten. Mais ils ne connaissent pas ce roi. Aber sie kennen diesen König. Ils n'ont jamais vu ce roi. Sie haben diesen König ils noch nie gesehen. Sie hatten nur die Prophezeiung gehört. Mais qu'est-ce qui leur a mené à Bethléem? Aber was hat sie nach Bethlehem geführt? Ein signe. Ein Zeichen. Ein signe. Ein Zeichen. Une étoile. Ein Stern. L'étoile leur a dirigé là où était le roi qui devait naître. Der Stern hat sie dorthin geführt, wo der König zur Welt kommen sollte. Ils arrivent dans cette ville. Und sie kamen in dieser Stadt an. Mais où est ce roi? Und sie sagten, wo ist denn nun dieser König? Jusqu'alors, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas le roi était dans quelle maison. Bis dahin wussten sie noch nicht, in welchem Haus sich der König befindet. Und das bedeutet, es brauchte noch mehr Zeichen. Alléluia. Sais-tu lire les signes de Dieu dans ta vie? Kannst du die Zeichen Gottes in deinem Leben deuten? Est-ce que tu vois que Dieu est en train de te parler? Siehst du, dass Gott gerade zu dir spricht? Alléluia. La Bible dit que Hérode fut troublé lorsqu'il a appris cela. Die Bibel sagt, dass Herodes unruhig wurde, als er das gehört hat. Hérode était un roi qui était méchant. Herodes war ein sehr böser König. Il a beaucoup tué. Er hat viel getötet. Et on dit de lui, il est un peu l'esprit incarné de l'Antichrist. Und man sagt über ihn, dass er sozusagen den Antichrist widerspiegelt. Sa mission c'était de tuer Jésus-Christ. Das heißt, seine Mission war, Jesus Christus zu töten. Il attendait. Er hat gewartet. Il savait qu'il y avait la prophétie. Er wusste, dass es die Prophezeiung gab. Mais le jour que Jésus-Christ est né, aber an dem Tag, an dem Jesus zur Welt gekommen ist, il n'était pas au courant. Wusste er nicht darüber Bescheid. Alléluia. Il y avait des signes. Es gab Zeichen. Mais lui, il n'était pas au courant. Aber er wusste nicht darüber Bescheid. Mais pourquoi? Weshalb? Parce qu'il ne savait pas lire les signes de Dieu. Weil er die Zeichen Gottes nicht deuten konnte. Non seulement qu'il ne savait pas lire. Nicht nur, dass er die Zeichen nicht deuten konnte. Dieu sait cacher les choses dans des signes. Aber Gott kann Dinge in Zeichen verstecken. Mais il faut avoir la révélation. Aber man muss die Offenbarung de pouvoir haben, lire, décoder ces signes. Damit man dieses Zeichen deuten kann, dass man das entziffern kann. Qu'est-ce que le roi fait? Was tut der König? Il a appris. Er hat das gehört. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où est où le Messie devait naître. Und er hat alle Gesetzeslehrer und alle Weisen zusammengesammelt und sie gefragt, wo ist dieses Kind zur Welt gekommen? Ils lui dirent à Bethléem en Judée, voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas
la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Da steht geschrieben, in Bethlehem, sagt. Au verset 7, il dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Alléluia. Est-ce que tu reconnais les signes de Dieu dans ta vie? Erkennst du die Zeichen Gottes in deinem Leben? Hérode avait des prophéties, il savait. Herodes hatte Prophezeiungen, er wusste. Il a appelé les sages. Er hat die Weise gerufen. Mais il ne savait pas à quel moment l'enfant était né. Aber er wusste nicht zu welchem Zeitpunkt. Mais les signes étaient là. Aber die Zeichen waren da. Les signes n'étaient pas vraiment cachés. Die Zeichen waren nicht puisqu'on avait annoncé, la vierge femme devient, la vierge femme deviendra enceinte. Dass die Jungfrau schwanger werden sollte. Mais c'est quelle vierge femme? Aber welche Jungfrau war das? Alléluia. Vous comprenez maintenant le mystère des signes? Comment Dieu cache les choses dans les signes? Wie Gott Dinge in Zeichen verbirgt. Et il y aura une vierge femme. Er sagt, es wird eine qui sera enceinte. Die schwanger werden wird. Mais à cette période-là, il y avait combien de vierges femmes? Aber wie viele Jungfrauen gab es zu dieser Zeit? Il y avait combien de fiancés à cette époque-là? Verlobte gab es zu dieser Zeit? Fallait chercher. Man musste suchen. Fallait lire les signes. Man musste die Zeichen deuten und lesen. Le roi n'avait pas cette capacité. Und der König hatte diese Fähigkeit nicht. Mais Dieu sait faire ces choses. Aber Gott weiß, wie er die Dinge tut. Il emmène des gens qui prévenaient. La Bible nous dit. On ne connaît pas vraiment la ville où les mages revenaient. Certains disent, les commentateurs bibliques disent, c'est plusieurs mages de plusieurs contrées qui se sont rassemblés, qui ont étudié les prophéties, et ils ont suivi l'étoile pour venir adorer. Also man sagt über diese Sterndeuter, man weiß nicht genau aus welchem Ort sie kamen aus verschiedenen Orten. Man sagt, dass es Sterndeuter waren, die diese Prophezeiungen studiert haben und die zusammengekommen sind, um eben diesem Stern zu folgen. Il voulait aussi, entre guillemets, aller adorer le roi. Und sie wollten sozusagen auch dorthin gehen, um Mais den König son plan c'était de le tuer. Aber das, der Plan von Herodes war, ihn zu töten. Mais Dieu avait caché la naissance d'un Comment je peux expliquer ça? Dieu a caché la naissance de Jésus-Christ dans des signes simples et faciles. Gott hat die Geburt von Jesus in einfachen Zeichen versteckt. Mais difficile aux gens qui ne sont pas révélés de voir ces signes. Aber das war schwierig für Menschen, die nicht die Offenbarung hatten, um diese Zeichen zu deuten. Tu peux venir tous les jours à l'église. Du kannst jeden Tag in die Gemeinde kommen. Tu peux venir à la prière. Du kannst zum Gebet Mais kommen. Est-ce que tu sais lire les signes Aber kannst de Dieu? Du die Zeichen Gottes lesen? Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de dire en ce moment à l'église Saint Chrétien Agapé? Was Gott der Gemeinde Saint Chrétien Agapé gerade sagt? Alléluia. Dieu dit que les étoiles Les luminaires sont là pour séparer les époques. Gott sagt, dass dass es das Licht gibt, um die Zeiten zu trennen voneinander. Donc nous allons comprendre. Dadurch verstehen wir. Que le signe Dieu nous donne. Dass Gott uns die Zeichen gibt. C'est pour séparer les époques. Um die Zeiten voneinander zu trennen. C'est pour annoncer des nouvelles choses. Um neue Dinge anzukündigen. Alléluia. N'est-ce pas ce qu'il a dit dans Genèse 1, 14 à 19? Das, was er im 1. Mose Kapitel 1, 14 bis 19 gesagt hat. Dieu avait tout créé. Gott hat alles geschaffen. Mais il s'est rendu compte, il y avait le ténèbre. Aber er hat gemerkt, dass es dunkel Il dit, mais comment, qu'est-ce que je peux faire pour marquer les jours, la nuit, ainsi de suite? Und er sagte, was kann ich denn tun, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden und so weiter. Il a créé la lune. Er hat den Mond geschaffen. Le soleil, les étoiles, ainsi de suite. Die Sonne, die Sterne und so weiter. Amen. Sais-tu lire les signes de Dieu dans ta vie? Kannst du die Zeichen Gottes in deinem Leben deuten? Dieu cache la royauté d'un homme dans des signes. Ou bien il emmène un futur roi à sa royauté dans des signes. Gott bringt einen neuen König zu seinem Königreich durch Zeichen. Il va chercher les adresses de son père. Saul va chercher les ânesses de son père. Ânesses. Ânesses. En allemand. Yeah. C'est quoi ânesses? Ok, die Esel. Okay, pardon. Samuel holt die Esel seiner.
Vaters. Mais pendant qu'il part à la recherche, und während er auf die Suche geht, il rencontre la royauté sur son chemin. Auf seinem Weg begegnet er dem Königreich. Le prophète de Dieu l'explique. Der Prophet Gottes erklärt. Il dit, quand tu sortiras, tu verras telle chose, telle chose, telle chose. Er sagt, wenn du rausgehst, dann wirst du diese und diese Sachen sehen. Mais quand tu verras ces choses s'accomplir, aber wenn du siehst, wie diese Dinge sich erfüllen, fais tout ce que tu auras à faire. Dann tu all das, was du zu tun hast. Car Dieu est avec toi. Denn Gott ist mit dir. Alléluia. Chaque chose que Dieu crée ou fait, jede Sache, die Gott schafft oder die er tut, cela porte toujours un message. Das trägt immer eine Botschaft mit sich. Chaque chose que Dieu fait ou crée, cela porte toujours un message. Jede Sache, die Gott tut oder die er schafft, das trägt immer eine Botschaft mit sich. Alléluia. Ce message est clair. Diese Botschaft ist klar. Mais nous avons besoin de la révélation. Aber wir brauchen die Offenbarung. Nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Wir brauchen die Offenbarung vom Heiligen Geist. On peut voir les choses se passer autour de nous. Wir können die Dinge sehen, die um uns herum geschehen. Les signes sont là, les signes annoncent. Es gibt Zeichen, die da sind und die etwas ankündigen. Mais si tu ne sais pas les reconnaître, aber wenn du sie nicht erkennst, tu vas tourner en rond. Dann wirst du dich im Kreis drehen. Alléluia. Amen. Les signes sont là pour marquer et séparer les époques, comme je le disais tantôt. Wie ich es vorher sagte, die Zeichen sind da, um die Zeiten zu trennen. Les signes sont là pour nous avertir ou nous orienter. Die Zeichen sind da, um uns zu warnen und um uns Orientierung zu geben. Amen. Sais-tu lire les signes de Dieu dans ta vie? Kannst du die Zeichen Gottes in deinem Leben deuten? Les mages ne savaient pas là où était le roi. Die Sterndeuter wussten nicht, wo sich der König befand. Mais grâce à un signe, aber dank eines Zeichens, grâce à un luminaire, dank eines les étoiles, eines les Sterns, durch dank des Sterns, l'étoile les a conduits là où était Jésus-Christ. Der Stern hat sie dorthin geführt, wo Jesus Christus sich befand. Alléluia. Laissons-nous voir encore un exemple. Wir wollen uns noch ein anderes Beispiel anschauen. Dans Luc 1, 13 à 20. In Lukas 1, 13 bis 20. Nous allons voir qu'est-ce que les signes font encore dans, dans notre vie. Wir werden sehen, was die Zeichen noch in unserem Leben tun können. Luc 1, 13 à 20. Lukas Kapitel 1, Vers 13 bis 20. Je vais lire rapidement. Ich werde lesen. Mais l'ange dit, l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé, pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accomplira au moment voulu. Amen. » Le sacrificateur Zacharie était dans le temple. Der Priester Zacharias war im Tempel. Il servait le Seigneur. Er hat dem Herrn gedient. Il était âgé. Er war schon sa alt. Femme aussi était âgée. Seine Frau war auch schon alt. La Bible dit sa femme était stérile. Die Bibel sagt, seine Frau war unfruchtbar. Certainement, il vivait des pressions. Sie haben wahrscheinlich viel Druck erlebt. Certainement, les gens se moquaient d'eux. Die Menschen haben sich über sie lustig. Mais le jour qu'il était venu faire le service de Dieu, aber an dem Tag, wo er kam, um den Dienst Gottes zu tun,
Il a reçu une apparition de l'ange. Ist ihm der Engel erschienen. L'ange Gabriel lui apparaît dans le temple. Der Engel Gabriel erscheint ihm im Tempel. Et lui dit, n'aie pas peur, ta prière a été exaucée. Und sagt, hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Le signe de Dieu. Die Zeichen Gottes. Le signe de Dieu peut être une apparition d'un ange ou bien l'apparition de Dieu lui-même. Das Zeichen Gottes kann sein, dass ein Engel erscheint oder dass Gott selbst erscheint. Zacharias avait oublié sa prière. Zacharias hatte sein Gebet schon vergessen. Alléluia. Puisque le verset 18 nous montre. Denn Vers 18 zeigt uns. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. Zacharias fragt den Engel in Vers 18, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt schon ein alter Mann und meine Frau ist auch schon. Il n'espérait plus. Er hatte keine Hoffnung mehr. Alléluia. Mais Dieu dans son plan. Aber Gott in seinem Plan. Dieu dans son système. Gott in seinem System. Il avait dit quelque part. Hatte irgendwo gesagt. Il y aura quelqu'un qui va préparer la voie du Seigneur. Es wird jemanden geben, der den Weg des Herrn vorbereiten wird. Il doit avoir quelqu'un qui doit préparer sa voie. Muss es jemanden geben, der seinen Il Weg vorbereitet. Il a tout donné, cela, tant de signes, tant de prophéties. Und er hat all das in Prophezeiungen und in Zeichen gegeben. Comme je disais, les comment on appelle les signes, c'est aussi les prophéties que les prophètes ont données. Wie ich es sagte, Zeichen kann auch eine Prophezeiung sein, die ein Prophet ausspricht. Zacharie dit, mais l'ange, je ne sais pas. Und Zacharias sagt, ja, lieber Engel, ich weiß nicht. Et voici un signe que l'ange lui donne. Und hier ist ein Zeichen, das voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accomplira au moment voulu. Weil du mein Wort nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Alléluia. Dieu lui donne, l'ange lui donne un signe. Der Engel gibt ihm ein Zeichen. Et puisque tu doutes, er sagt, weil du zweifelst, pour que tu puisses comprendre que moi, l'ange Gabriel, je me tiens devant Dieu. Damit du verstehst, dass ich der Engel Gabriel bin, der in Gottes Gegenwart steht. Voici le signe. Das ist das Zeichen. On disait, mais on ne sait pas combien de temps que ça a pris afin que sa femme soit enceinte. Und man sagte, man weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis seine Frau schwanger geworden ist. Mais ce jour-là, aber an diesem Tag, avant même que sa femme dise que chérie, je suis enceinte, schon bevor seine Frau ihm sagt, mein Schatz, ich bin schwanger, il est devenu muet. Ist er stumm geworden. Alléluia. Dieu lui a donné un signe. Gott hat ihm ein Zeichen gegeben. Dieu lui a visité. Gott hat mais ihm puisqu'il était un peu incrédule, aber weil er ein bisschen ungläubig dit, okay, war, hat er gesagt, okay, toi, ton signe sera, dein Zeichen wird sein, jusqu'à ce que cet enfant naisse, bis dieses Kind auf die Welt kommt. Là, tu vas commencer à parler. Dann wirst du erst wieder sprechen wow können. Imaginez la femme, quand elle est grosse. Stellt euch das mal vor, die Frau, wenn sie schwanger ist. Pas chez le mari. Sie geht zum Ehemann. Und der Mann ist da. Und er kann nicht antworten. Alléluia. Wow. Les signes de Dieu. Die Zeichen Gottes. Il se peut aussi que tu traverses des moments difficiles. Es kann sein, dass du auch schwere Momente durchlebst. Dieu te donne un signe. Und Gott gibt dir mais ein Zeichen. Mais ce signe te dit, reste tranquille. Ah, dieses Zeichen sagt dir, du ne sollst parle still pas sein. Du alléluia sollst nicht sprechen. Moi, je combats pour toi. Ich kämpfe für dich. Il dit, ne crie pas. Er sagt, du mais regarde seulement. Aber mais le jour de l'accomplissement, les gens seront étonnés quand tu vas parler. Wenn du sprechen willst. Parce qu'ils ont dit, denn sie haben gesagt, mais comment il sait que l'enfant doit s'appeler Jean? Aber wie kann er denn wissen, dass das Kind Johannes heißen soll? Alléluia. Parce qu'il était dans le secret. Denn er war im Verborgenen. L'ange l'était apparu. Der Engel war ihm erschienen. Et l'ange l'avait dit. Und der Engel hat ihm gesagt. Pour toi, le signe. Für dich das Zeichen. Jusqu'à ce que l'enfant va naître, tu vas pas parler. Bis das Kind auf die Welt kommt, wirst du nicht alléluia sprechen. Nous avons un Dieu qui parle par des signes. Wir haben einen Gott, der durch Zeichen spricht. Regarde ta vie. Schau dir dein Leben regarde an. La vie de tes enfants. Schau dir das Leben deiner Kinder qu'est-ce que cela te dit? Was sagt dir das? On nous a donné aujourd'hui un témoignage. Man hat uns heute ein Zeugnis mais pour cette sœur-là, qu'est-ce que ce signe-là est en train de dire dans sa vie? Aber für diese Schwester, was sagt dieses Zeugnis mais quelle est cette voix qu'il a parlé? Elle a dit, regarde un peu derrière. Welche Stimme hat zu ihr gesprochen und gesagt, même dreh dich avant bitte um, que tu nous viennes au Seigneur, bevor du überhaupt Dieu zum Herrn kommst, parle. Spricht Gott Dieu te montre des signes. Dann zeigt Gott
dir Zeichen. Tu ne viens pas au hasard, bon, maintenant je vais suivre Dieu. So sagst, na, gut, jetzt folge quand le pasteur parle que son neveu cherche maintenant à connaître Dieu, wenn der Pastor sagt, mais Dieu avait placé des signes déjà pour lui. Da hatte Gott bereits et ces signes-là sont en train maintenant de s'accomplir. Und diese Zeichen sind jetzt dabei, vient, sich zu bewahrheiten. Il faut que j'aille voir mon oncle. Er sagt, ich muss meinen Onkel besuchen. Dans le plan de Dieu, im Plan Gottes, avait tout décrit. Cet enfant sera ceci. Dès le fond de sa main, il sera rempli du Saint-Esprit. Les signes de Dieu. Sais-tu lire ces signes? Ou bien tu passes au travers? Oder gehst du daran vorbei? Alléluia. Là où tu travailles, dort, wo du arbeitest, quand tu regardes comment tes enfants grandissent, wenn du schaust, wie deine Kinder langsam groß werden, est-ce que tu vois les signes de Dieu? Siehst du die Zeichen Gottes? Alléluia. Zacharias avait douté. Hatte gezweifelt. On a donné un signe. Man hat ihm ein Zeichen gegeben. Et nous avons aussi Marie. Und wir haben auch Maria. Toujours dans Luc 1:30-36. La Bible dit ceci. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici ce que tu seras. Et tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. Ich werde etwas sagen. On nous parle des rapports sexuels avant le mariage, c'est un péché. Amen. Man sagt uns, des fois, les jeunes cherchent des versets. Wo steht das in der Bibel? Et des fois, les jeunes cherchent le verset dans la Bible où est-ce que c'est écrit de manière explicite. Marie dit à l'ange, Maria sagt zum Engel, je n'ai jamais eu de rapport. Ich bin noch Jungfrau. Alléluia. Mais alors qu'elle était fiancée, aber sie war schon verlobt zu dem Zeitpunkt. Ça veut dire qu'elle n'était pas encore mariée. Sie war noch nicht verheiratet. Elle voulait dire à l'ange, mais moi je ne suis pas encore mariée. Sie wollte dem Engel oui, sagen, certes, je suis fiancée. Ja, ich bin mais verlobt. Comment cela va se faire? Aber wie soll das denn geschehen? Nous continuons notre lecture. Wir lesen weiter. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, est dans son sixième mois. Amen. Dieu, l'ange donne aussi un signe à Marie. Der Engel gibt auch Maria ein Zeichen. Il explique comment ça va se passer. Wie das geschehen wird. Pour attester ces choses-là. Und um das zu bestätigen. Et oui, Marie, toi, je vois que tu as une foi, c'est bon. Sagt dir Maria, ich sehe, du hast mais il faut que tu puisses attester les choses de l'esprit. Die Dinge des Geistes et dit, bezeugen können. En passant, übrigens, nebenbei, ta sœur là, ta cousine là, elle est enceinte. Deine Cousine da, die ist schwanger. Celle qu'on appelait la stérile. Die unfruchtbare nannte. Marie connaissait la situation de sa parente. Maria kannte die Situation von ihrer Verwandten. Mais je me suis posé la question mais l'ange, pourquoi tu la donnes tous ces détails? Est-ce qu'elle a besoin de ça? Ich habe mich gefragt, Engel, warum gibst du denn Maria all diese Details? Braucht sie das? Amen. Les signes de Dieu. Die Zeichen Gottes. Dieu ne fait rien sans au préalable avoir testé cela. Gott tut nichts ohne es im Voraus getestet zu haben. Ça dit, il ne peut pas faire quelque chose sans pourtant qu'il puisse nous annoncer cela. Das heißt, er kann nichts tun ohne das im Voraus anzukündigen. Nous avons parlé de la jeune femme qui sera enceinte. Wir haben von der Jungfrau gesprochen, die schwanger werden sollte. Nous venons de le lire. Wir haben das jetzt gerade gelesen. Alléluia. Nous avons parlé de la royauté de Christ. Wir haben von
der Königreich von Jesus gesprochen. Dieu avait promis à David. Gott hatte das David versprochen. Jésus est de la descendance de la lignée de David. Jesus ist aus der Nachkommenschaft von David. Alléluia. Ça s'accomplit toutes ces prophéties-là. All diese Prophezeiungen erfüllen sich. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas les signes que Dieu nous donne. Meine Lieben, lasst uns die Zeichen, die Gott uns gibt, nicht vernachlässigen. Soyons attentifs. Lasst uns aufmerksam sein. Écoutons Dieu. Lasst uns auf Gott hören. Il y a tellement beaucoup de choses à dire à propos des signes de Dieu. Es gibt so viel zu sagen über die Zeichen Gottes. La Bible nous dit, die Bibel sagt uns, il nous a aussi marqué de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Er hat uns auch gezeichnet und er hat seinen Geist in unsere Herzen gelegt. 2 Corinthiens 1, 22. 2 Corinthiens Kapitel 1, Vers 22. Pour qu'on dise qu'on est chrétien, on est disciple du Christ, damit man sagen kann, dass man Christ ist oder ein Jünger von Jesus, Dieu s'arrange de nous marquer de son sceau. Da schenkt Gott uns sein Siegel. Il nous donne un gage. Er gibt uns. Et dit, quand tu vas voir, er sagt, wenn du das siehst, ça c'est mes enfants. Dann weißt du, das sind meine Kinder. Ceci, quel est ceci? Was ist dieses Zeichen? Le Saint-Esprit n'est pas un signe. Der Heilige Geist ist kein Zeichen. Mais c'est une personne. Il dit, mais il nous a marqué de lui comme un sceau, comme un gage, aber qui atteste que nous appartenons à Dieu. Er sagt, er hat uns markiert mit diesem Zeichen, das zeigt, dass wir zu Gott gehören. On parle de signes démoniaques, diaboliques. Man spricht von teuflischen Zeichen. Comment on appelle ça? On parle de signes du diable. Man spricht von den Zeichen des Teufels. Oui, le jour du jugement. Ja, an dem Tag des Gerichts. C'est par le Saint-Esprit qu'on le reconnaîtra. Wird man uns am Heiligen Geist erkennen. Alléluia. Quand les gens vont venir là, wenn die Menschen kommen werden, il va regarder, dire, toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Du hast den Heiligen Geist nicht. Alléluia. Parce que nous sommes marqués. Denn wir wurden davon markiert. Par le Saint-Esprit. Durch den Heiligen Geist. Les signes de Dieu. Das Zeichen Gottes. Que devons-nous faire maintenant? Und was müssen wir jetzt tun? Que devons-nous faire? Was müssen wir tun? Est-ce que nous sommes en train de voir dans les médias tout ce qui se passe? Schauen wir alles, was gerade passiert, was man uns in den Medien erzählt? Quelle est notre lecture? Wie lesen wir all diese Dinge? Wie deuten wir das? Nouveau baptisé dans le Seigneur, quelle est ta lecture? Für die, die jetzt neu getauft wurden, wie deutet ihr diese Dinge? Tu te dis, ich bin noch neu, ich weiß nicht. Du denkst dir vielleicht, je suis nouveau. Je ne connais pas ces choses. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Was sagt uns die Bibel? Il dit, Père, je te bénis parce que tu as caché ces choses aux hommes sages, mais tu les as révélées à qui? À tes enfants. Dieu a caché la sagesse, les choses de ce monde aux yeux de ce qu'on peut dire docteurs intelligents et ainsi de suite. Il leur a caché cette compréhension-là. Die Bibel sagt uns, dass den weisen Menschen dieser Welt, den Ärzten, den Gebildeten, denen hat Gott diese Dinge vorenthalten und den Kindern hat das offenbart. Mais nous avons la capacité de lire les signes de Dieu. Aber wir haben die Fähigkeit, die Zeichen Gottes que tu sois zu deuten. Nouveau converti. Selbst wenn du gerade erst umgekehrt bist, mais le Saint-Esprit est en toi. Der Heilige Geist lebt doch. Il vous enseignera quoi? Toutes choses. Euch alles lehren. Les choses que je suis en train de dire là, on m'a jamais enseigné cela. Die hat man mich nie gelehrt. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce message. Es ist der Heilige Geist, der Alléluia. Diese Botschaft gegeben hat. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce message. Der Heilige Geist gab mir diese Botschaft. Je me reviens un matin, j'écoute. Ich bin eines Morgens aufgewacht dis, und habe que gehört. Me dire par là? Und ich habe gefragt, was willst du mir denn damit Comment sagen? Dans la Bible? Und dann hat er mich in die Bibel geführt. C'est pour cela la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Deshalb sagt uns die Bibel, ihr sollt den Heiligen Geist nicht traurig machen, denn durch ihn wurdet ihr markiert für den Tag der Wiederkehr. Les temps sont durs, sont difficiles. Die Zeiten sind hart. Quand nous serons en train de voir ceci, wenn wir diese Zeichen sehen, prions, dann sollen wir beten. Glorifions Dieu.
den Herrn preisen. Les mages ont vu ce signe, ou bien les bergers die qui sont venus adorer Jésus-Christ. Die Hirten, die haben diese Zeichen gesehen, als sie gekommen sind, um Jesus anzubeten. Dieu est tellement bon. Gott ist so gut. Pendant que ces bergers étaient là-bas dans leur bergerie, während diese Hirten dort in ihren Ställen waren, l'ange les a conduits jusqu'à là où était Jésus-Christ. Hat der Engel sie dorthin geführt. Toujours accompagné par des signes. Natürlich immer begleitet von den Zeichen. Das könnt ihr in Lukas Kapitel 2 nachlesen. Et ils sont arrivés, ils ont vu tel que l'ange avait dit. Sie sind dorthin gekommen und haben das gesehen, was der Engel ihnen gesagt hat. Was haben sie getan? Sie haben begonnen, Gott anzubieten. Wenn du diese Zeichen siehst, dann tu das, was du zu tun hast. Denn Gott ist mit dir. Amen. La gloire de Dieu, die Herrlichkeit Gottes, c'est de cacher les choses, c'est de cacher, verbergen, oder? Ist Dinge zu verbergen. La gloire des rois, c'est d'examiner ces choses. Und die Ehre der Könige ist, diese Dinge zu prüfen, zu examinieren. Proverbe 25,2. Sprüche 25, Vers 2. Et pour terminer, Deutéronome 29, 28, dans notre version, je crois que c'est 29, 29. 5. Buch Mose, Kapitel 29, Vers 28, in manchen Versionen ist es Vers 29. Nous allons terminer par ce verset-là. Wir enden mit diesem Vers. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Kann jemand das für uns lesen? Deutéronome 29, 28. Dans notre version, c'est 29, 29. Il dit, les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Steht geschrieben, was noch kommen wird, weiß allein der Herr, unser Gott. Sein Willen hat uns und unseren Nachkommen jedoch für immer gezeigt, damit wir alle Anweisungen dieses Gesetzes befolgen. Dieu aime cacher les choses. Gott verbirgt gern die Dinge. Mais il dit que pour vous, les choses sont révélées. Aber er sagt für euch, il dit, mais die Dinge pourquoi tu caches? Tu dis que les choses qui sont cachées sont pour toi, mais ceux qui sont révélés sont pour nous. Aber warum sagst du, die verborgenen Dinge sind für dich und du hast uns die Dinge schon offenbart? Alléluia. Les signes de Dieu. Die Zeichen Gottes. C'est les enfants de Dieu qui savent lire ces signes. Il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Er sagt, rufe zu mir und ich werde dir antworten und ich werde dir die verborgenen Dinge offenbaren. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.